Mon nom est Bernard Guirquinger, je suis délégué régional du groupe SOS. L'économie de demain sera caractérisée par la sobriété, l'harmonie, la solidarité. Sobriété, ça veut dire faire l'économie des ressources non renouvelables, consommer moins de ressources naturelles. L'harmonie, c'est l'harmonie avec la nature. Il faut moins de pollution et en particulier, il faut réduire la pollution par les gaz à effet de serre pour éviter ces catastrophes climatiques qui se multiplient. Et la solidarité, c'est tout simplement plus de solidarité entre les plus modestes, les plus pauvres, les plus fragiles. Alors, pour s'y inscrire dans l'économie de demain, il faut d'abord mobiliser les citoyens, il faut mobiliser tous les acteurs de la société civile, les associations, les syndicats, les fédérations professionnelles, et il faut que les politiques reprennent le pouvoir, fixent un cap, il faut que les politiques acceptent de s'intéresser aux questions économiques et régulent le marché. Pour l'économie de demain, les Lorrains ont des atouts extraordinaires. Ils sont au cœur de l'Europe. Le monde de demain, ça sera un monde encore plus ouvert. Et de ce point de vue-là, un des atouts des Lorrains, c'est les langues. Il faut absolument développer l'apprentissage des langues.